Bon, alors aujourd'hui, je vais montrer un code qui m'a beaucoup impressionné, là, que j'ai trouvé aujourd'hui sur ce site-là. Complangacé.at. Alors, je sais pas trop comment ça se présente, là, si c'est Twain ou Twain. Donc, complangtwain.ac.at. Donc, c'est évidemment du force, comme on voit sur le répertoire ici, hein. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce programme hyper impressionnant? Et pourquoi il est impressionnant? Il est impressionnant déjà pour cette première raison-là, 246 lignes seulement, et surtout pour ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il fait concrètement? Je l'exécute. Bam! Et oui, ma gueule, c'est un spreadsheet, façon Excel ou autre, ou ce qu'on veut. Hop. Ah, 1 plus 1960, admettons. Au moins 1800, blême. Donc si je fais un calcul bidon sur une case qui n'existe pas, la case qui n'existe pas a valeur 0. Donc, déjà c'est très logique, plutôt que de renvoyer une erreur, c'est très intelligent comme mode de fonctionnement. Est-ce qu'il est capable de faire des opérations multiples en une seule passe, par exemple? Ouais, excellent. Super. Ok, donc il n'est pas capable de faire ça comme ça. Il gère bien le fait de mettre un nombre négatif au carré, il gère bien ça comme une conversion d'abord en positif, plutôt que d'envoyer une erreur, donc ça déjà c'est génial. Est-ce qu'il sait gérer l'erreur de la division par zéro? Super. Alors c'est super, sauf qu'il affiche pas de petit warning, il affiche une des deux solutions, enfin une des trois solutions de la division par zéro. Puisque en mathématiques, on nous apprend toujours, et à tort, qu'une division par zéro est impossible. Or, c'est faux. Une division par zéro a plusieurs résultats possibles. A savoir, dans les entiers naturels, ça peut être soit infini, soit sans résultat. Mais les deux rapports, les deux résultats, c'est-à-dire l'absence de résultat et infini, sont toutes les deux des réponses valides. Donc là, le choix a été fait de dire infini, ok, pourquoi pas. Donc normalement, si je fais l'infini divisé par 2, là par contre, il y a une grosse connerie. Parce que 3,50, d'où est-ce qu'il était me trouver ça? J'ai bien marqué à 7. J'ai pas marqué 7 quand même. D'accord, j'avais marqué 7 en fait. Donc il fait bien infini divisé par 2 égale à l'infini. Donc le calcul il est bon. C'est fantastique. Si je compte un champ de texte, est-ce qu'il accepte de saisir le champ de texte? Ok, donc il accepte pas le champ de texte comme ça. Et on peut se déplacer avec les virgules, avec le slash, les flèches du clavier. On peut sauvegarder, bon là je vais pas le faire. Hop. Donc je suppose si on peut sauvegarder, on peut faire un load. Bon, on va aller regarder à quoi ressemble le code. Je vais pas regarder à l'intérieur de l'interpréteur, sinon ça va être un peu compliqué. Donc ça marche depuis au moins la version 0.6.2. Donc ça fait un sacré moment que ça fonctionne, cette histoire. Ah, il y a un wiki sur le sujet, formidable.
Il y a un wiki sur le sujet. C'est une excellente nouvelle. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut quitter, sauvegarder, loader, bien entendu. Recalculate. D'accord, donc ça, on va tester la fonction tout de suite. Copy a cell, paste cell. Très bien, pourquoi pas. Ah, c'est magnifique, il n'y a presque pas besoin de documentation parce qu'il a tout noté comme ça en commentaire pour chacune des fonctions. Il y a un ou deux petits commentaires supplémentaires, mais c'est tout. Waouh, c'est sublime, c'est parfaitement écrit, c'est impressionnant. Hyper impressionnant. Là, j'avoue que... Alors, je recommence. Donc, apparemment, on peut faire du recalculate. Donc, on va prendre toujours des bidons de données. J'ai commencé à travailler sur B, donc on va faire 1 plus 150. Et on va faire B1 fois 1.01. Plop, voilà. Donc, on va changer cette valeur-là maintenant. On voit que les autres cases n'ont pas changé, alors qu'elles font toute référence à celle-ci. Alors est-ce que le recalculate fonctionne? Il fonctionne. Là, j'avoue que c'est impressionnant. Un Excel de 250 lignes de code. 246. Sachant qu'il y a des commentaires et des sauts de ligne. Là, j'avoue que quand même, faire un Excel tel qu'il est utilisé par 90% des utilisateurs, non, peut-être pas, j'exagère, 50% des utilisateurs, c'est-à-dire que pour faire de la saisie, du calcul, et ne pas s'occuper des changements de couleur, des changements de largeur, des fonts, des injections d'images et compagnie, j'avoue que c'est quand même balèze. Très balèze. Alors, je vais juste faire une petite modification comme ceci pour que le code démarre de lui-même quand on l'exécute. Voilà, c'est quand même un peu mieux que de le charger à la mano. Je vais juste essayer de faire une sauvegarde juste pour voir si Save to fail. Toto. Can't open fail. Très bien, donc ça, par contre, ça ne marche pas la sauvegarde manifestement. Je vais également faire une deuxième modification. Il y a un exit quelque part. Est-ce qu'il y a une fonction exit quelque part? Je ne la vois pas. Bon, ceci dit, si je fais un bail à la fin du main, quand je vais faire quit normalement. Voilà, là ça me ramène bien au shell cette fois-ci. Et non plus dans l'interpréteur. Donc je peux rajouter maintenant dans ce document-là que j'ai un tout petit peu modifié le code. Donc il y a un readme, donc je vais le faire tout de suite. As interprete.
master start into exit interpreter and icon exit. Ok. Parce que je vais pas m'amuser à faire des modifications sans enregistrer et expliquer ce que je fais comme modification. Parce que si j'y reviens dans 6 mois, je ne saurais plus ce qui a été fait ou pas. Alors, il y a quand même une chose que je vais retenter. Si je fais un load, il me dit qu'il ne trouve pas. Très bien, je quitte. Est-ce que je suis obligé de faire un fichier d'auto avant de l'ouvrir pour pouvoir le faire ? Ah ah. Ok, donc ça n'a pas permis. Donc si je fais tout, il me dit. Il semblerait que ça ait bien fonctionné. Donc on va quitter. Très bien. Un load. Waouh, d'accord. Donc c'est bien capable d'enregistrer le fichier. Fantastique. Là, j'avoue être très 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 impressionné. Donc je vais juste faire une dernière modification. Mince, c'est pas celui-ci que je voulais faire. Hop. Auto start of code and auto exit to shallow. Franchement, 10 kilooctets pour avoir un Excel, quoi. C'est juste magnifique. Hyper impressionnant. Je vais mettre les liens évidemment dans la description. Avec le lien vers la source, etc. Parce que là, c'est vraiment hyper, hyper, hyper impressionnant.